Tout le monde c'est LexVic, like, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Madden NFL 16 Ultimate Team, nouvel épisode, épisode 3 On est au Super Bowl, alors j'ai avancé un petit peu, on s'était quitté au Wild Card je crois euh, Voilà, j'ai passé un peu les matchs de Playoff, je les ai tous gagnés euh, assez facilement en plus Et là on se retrouve du coup pour euh, le Super Bowl euh, lors de cette première saison Alors voici mon offense, alors euh, dans mon équipe il n'y a rien qui a changé je crois depuis le dernier épisode euh, Voilà, vous pouvez regarder, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez euh, voir plus en détail, donc voici mes titulaires, là on a ma défense, alors, une défense qui commence à être vraiment pas mal, euh, là j'aurais bien une petite légende en cornerback pour épauler euh, Ronde Barber, et alors là, défense, euh, défense aérienne vraiment énorme avec Atwater Moore. Marcus Peters et euh, Rondé Barber. Euh, au niveau des spécialistes, je crois que je vous les ai jamais montrés. Donc on a Tom Brady en punter pour pouvoir faire des fakes. Euh, Mac Manus en kicker. Et on a euh, Patrick Peterson et Travis Benjamin en returner. Euh, long Snapper, donc Munoz mais sans s'en fout. Sordon euh, Running Back. On a Marshall Falk et Mac Manus en, euh, en kicker pour les, pour les kick off Vu que c'est lui qui a le plus de, de kick power. Alors, on va partir. Euh, voilà, donc saison, on est à 9-3. Hein. Euh, aucune défaite en, en playoff. Et on va, on va essayer de gagner ce Super Bowl. Donc, si je gagne, je gagne un pack plus 2250 euh, coins. Donc, c'est pas. Euh, franchement, là, si je perds, je serais même pas déçu parce que en vrai, la, la récompense est vraiment nulle à chier. Là, euh, 2000, je m'en fous un peu. <laughs> c'est rien du tout. Bon, là, je suis à 500 000. Euh, je sais pas du tout quoi acheter comme prochain joueur en fait. Quoi, si un receveur, alors j'hésite là, il y a un Sammy Watkins, euh, joueur de la semaine qui vient de sortir, qui est vraiment très bon, euh, qui coûte 200 000. Mais j'ai grave envie d'acheter, même si en fait il a le même niveau, mais euh, il a 95 d'overall. Euh, Sammy Watkins en a 94, il coûte 200 000. Et euh, Rudy Jones en fait, la carte 95, il a, il a 95 d'overall. Ses stats sont à peu près pareils que Watkins, euh, voire moins bonnes. Et il coûte 500 000. Donc euh, voilà, bon je vais me refaire de la thune, hein, vous inquiétez pas, c'est prévu là. J'ai prévu de passer euh, quelques heures pour, euh, pour me refaire des coins là euh, sur, le, sur le market <coughs> en faisant des achats aux ventes et, et ce genre de conneries. Mais euh, Mais voilà quoi, ça me ferait chier en fait de dépenser 500, 500 coins pour Julio Qui est en fait qu'ils ont fait vraiment pas si fort que ça je trouve. Ça représente pas vraiment euh, le joueur qu'il est en vrai. Mais pour le fun, je suis obligé de l'acheter, donc euh, je sais pas. Soit j'attends qu'il sorte un autre Julio Jones encore plus fort et je l'achète. Soit j'attends que celui-ci baisse, je sais pas. Après, il y a d'autres receveurs que je prendrais bien aussi, mais ils sont tous assez chers. Et j'ai pas envie de niquer tous mes coins. Voilà, ce Super Bowl qui commence sur un big hit de Patrick Peterson. Une défense avec un seul linebacker et beaucoup de corners. Ah, bien joué mec. Bien joué, bien joué. Ah oh, merde, je suis trop con. Ok, pour l'instant, je prends pas de big play, c'est le plus important. On va prendre Peter, Peterson en user. BOUM! Chakalaka! Et ouais, ma gueule, moi je t'attendais. Je savais que t'étais là. Ok, drag de son Tiden. Ah! Pourquoi tu rates ça, Lofton? Oh putain, j'avais fait le user pick là, j'avais parfaitement couvert. Je savais qu'il allait lui mettre une slant. Je, je vous l'avais dit tout à l'heure qu'il faisait beaucoup de slant et drag. En fait, ça sert de voir un peu ce que joue votre adversaire. Ça aide vraiment, comme ça vous, vous pouvez savoir ce qu'il va faire les prochains jeux, voilà ce qu'il a l'habitude de jouer pour pouvoir ensuite défendre dessus. Et là, c'est ce qu'on a fait. Alors, ça sortira pas, bien, bien sûr qu'on va return là. Oh non! Oh non! Tu devais la prendre, Patrick! Tu devais la prendre. Hop! Allez, Marshall! Good job! Ce genre d'insulte, Bon, moi, ça m'avait fait rire, mais. Oh là là! Oh là là Oh là là Marie Ah oh, tu vas au bout mec, il a pas moyen, tu vas au bout. Voilà C'est ça qui est bon ou pas C'est ça qui est bon ou pas Bah oui, c'est ça qui est bon Good job On est bien, on est bien, on est bien, on est bien Oh, oh, oh. <laughs> Nice Premier TD Eh ouais, j'ai pas le temps moi mec, je veux gagner mon Super Bowl, j'ai pas le temps Il va juste sur son Tiden. C'est dommage, c'était bien joué. Là, il, voilà, bonne lecture de sa part. Il va jouer dans le deep. Oh non, même pas. Bien joué. Ok, ça court. Nice. Bien joué, Bisley. Truffent qui prend le plaquage. Double Falcons. Le duo Falcons duo gagnant. Là-dessus. Oh, je suis trop con. Oui, Truffent. Ah, il est chaud, Truffent. Il a pas time. Bon, -ce il a le time. Moi, est-ce qu'elle décourage? Par la suite, est-ce qu'il y a le décorage sur la plaque que je vais faire? Bon, ça passe. Plonge, good job. Oh, oh, Roule Jones. Pour ça, vous voyez, en fait, j'ai pas vraiment besoin de le changer parce que j'arrive à gagner des matchs avec, même si euh, voilà, c'est sa carte euh, 87 d'overall. Ses stats sont pas vraiment ouf. Mais vraiment la stat qui est vraiment hyper impressionnante chez Rule Jones, et euh, ça bon, ça ils l'ont bien fait, c'est euh, c'est en... le release en fait, c'est euh, la capacité à se démarquer. Et, euh... et voilà, quand on... en fait c'est un receveur qui est hyper dur à garder en 1 en... En... En un contre 1. Un. C'est peut-être même le meilleur du jeu, je pense, là-dedans, au niveau du release. Sa carte à 95, je crois, il a 98 ou 99. Et euh, c'est vraiment excellent. Ah si, y a... ouais bon, en tant que légende, en, en ultimate team... Non, sérieux. <laughs> La misère, putain. Bon, je pense qu'il a décourager là. Par contre, je non, même pas. Ah putain, le mec est tenace. Le mec est tenace. Bon, là, on peut dire qu'on a déjà la victoire. Hein <laughs> Je pense qu'on a déjà la victoire. Euh... Voilà, voilà. <laughs> J'ai envie de vous dire. Ah d'accord. Ah il est il a quitté Mais pourquoi ça m'a mis ce message en fait j'ai pas compris <laughs> Ça m'a mis un gros message, c'était la première fois que j'avais ce, ce genre de message, je me suis fait quoi Ça a bugué hein, j'ai... Connexion, <laughs> ma connexion a bugué, comment ça je perds le super bowl? Bon bah voilà, euh, victoire. Bon c'était très, très rapide hein les gens. Hein. C'était très rapide, donc ce sera l'épisode 3 voilà. Non mais en fait j'ai la flemme d'en faire un là. Ou alors j'en refais un et je vous sors un deuxième épisode juste après en fait. Je vous sors deux épisodes. Ouais on peut faire ça. Quoique là ce sera très... Attendez, ouverture de pack. C'est de la merde. Bon, ça, en fait, vous en avez un euh, à chaque pack, en fait, euh, en online, à chaque fois que vous passez un cap. Et quand vous en avez 10, euh, je crois que ça vous donne un ou deux joueurs rouges, je sais pas. Euh, deux joueurs élites. Un ou deux joueurs élites, et euh, voilà, c'est pas mal. Donc là, je crois que j'en ai quatre. Il m'en faut encore six pour, euh, pour avoir... Euh, un pack avec un joueur rouge. Donc euh, c'est ce qu'on va essayer de faire. Mmh, 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 Est-ce qu'on fait un match vite fait Donc euh, on va le garder pour l'instant. Donc là on a notre ami qui parle normalement. Bon. Pour l'instant je n'entends pas. Donc ça va. Il si m'a parlé comme d'hab Je vais couper le son. Ce qui me vénère, les ricains C'est parti. On va essayer de commencer fort direct. Boum Oui Boum chakalaka On commence fort direct les gens On commence fort direct Bon je commence à être un peu malade là. Je sens depuis depuis là, depuis que je suis rentré là, j'ai un petit mal de gorge là. Il faut boire un peu de whisky pour, pour dégager tout ça, tu le gros le gros alcoolo. Ah j'ai mis le sale hit là. Le pauvre. Ok, c'est de la zone. Et le catch de Jordan Reed sur cette in-out au oh, calme. Ok, vous avez vu 6 secondes, un jaune C'est pas la puissance, ça les gens, c'est pas la puissance. Ah, il a rendu Cunningham, quand même. Voilà, c'est ça les gars. Bat Ah non, pourquoi t'as Freeman, mec Oh, oh non, Peterson, retourne-toi. <laughs> le mec paniquait tellement. Oh non, je suis une grosse merde. Oui. Oui. Le support derrière qui vient faire le le plaquage pour la perte du ballon. Et ouais, c'est ça ma gueule. Ah oh, moi je vais pas rigoler là. Aujourd'hui, je suis vénère. Je joue en mode vénère. Oui. Nice. Et ça passe crème. Boum le petit saut qui fait plaisir Qui sert à rien mais qui fait plaisir Et on mène déjà 14-0 Oula On est 2 contre 1 On est 2 contre 1 mon gars Je sais que tu vas jouer long Ça se tente Ou alors j'attends les cartes golden ticket Et le pic De Marcus Peters Là je sens le décorage. Je le sens Je sens le rage quit. Et voilà <laughs> Bon bah les gens, bon on, on va s'arrêter là-dessus. On aura fait deux cartons. <laughs> euh, c'est pas de ma faute, ils sont trop nuls les riquins, putain, c'est leur sport en plus, putain, c'est pas de ma faute. Bon voilà, deux victoires. Euh, donc on va aller voir, voilà, parce que je pense que la vidéo durera pas si longtemps. Euh, pas très longtemps si je m'arrête euh, maintenant. On va aller voir un peu sur le marché euh, le, les joueurs qui m'intéressent. Je vais vous les montrer. Alors c'est pas des joueurs de PD, hein. C'est vraiment pas des joueurs de PD. Ah oui, ça c'est les objectifs de merde. <laughs> J'ai tellement mal à la gorge. J'avais bouffé du miel. <laughs> Comme une vieille mamie. Attendez. Euh... Alors. Alors, alors, alors. Attendez, parce que. J'ai un abonné à qui je devais euh, filer les cartes là. J'avais fait. Euh... Gagner des cartes lors d'un stream. Parfait. Il m'a fait ses. Ces, 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 oh putain ces échanges Donc si tu vois cette vidéo voilà Tout le monde sait ce que t'as gagné Donc voilà il avait gagné Donald Alpen En Tiden aussi Donc je, re je refais euh, Sûrement des euh, Des dons de cartes comme ça peut-être sur Youtube euh, Cette fois-ci parce que t'en as qui regardent Pas forcément mes streams et, euh, Donc je ferai peut-être des concours sur Youtube Pour gagner des cartes <coughs> Attendez Bon voilà hop Et là maintenant on va aller voir les cartes qui peuvent être intéressantes. Ah putain. Ah je suis tellement mort. Ah j'ai je perds ma voilà. Je le sens. Euh, alors Déjà, on avait Sammy Watkins. Hop, dépêche-toi ma gueule. Ah voilà, attends. Là, il y a une des cartes que je voudrais peut-être, Tyvon Austin receveur le plus rapide du jeu donc vous le mettez en slot tracé fade ça passe presque à tous les coups donc quand vous êtes, dans, vous êtes dans la merde en fin de match ça peut vous sauver un match donc c'est vraiment une carte bon qui coûte 190 000 quand même pour l'instant je vais attendre qu'elle baisse un petit peu je pense que ça fait un peu cher quand même pour un receveur qui est pas si bon que ça en catching traffic et c'est quand même important comme stat c'est une des, des stats que je regarde le plus voilà quand même 97 en speed 88 en release aussi donc euh, je sais pas je pense que je vais l'acheter très prochainement mais euh... Vous verrez ça de toute façon. Lors d'un épisode, je l'aurai sûrement. Euh, vous, vous serez tenu au courant. Euh, alors, il y a Sammy Watkins que je veux, donc qui coûte euh, 230 000 environ, euh, un peu moins. On ouais, des stats vraiment ouf 95 en release, 95 en catching, Spectacular catch 97, speed 93, euh, catching traffic 94, jumping 91. Voilà, vraiment un receveur très très lourd. Et euh, je le prendrais bien parce qu'il est pas si cher que ça. Et il est vraiment très fort. Ou oh, alors sinon. Merde, 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 je suis trop con. Parce que c'est vraiment le. J'aimerais tellement en fait euh, rapidement remplacer mon Rouleau Jones. Ou alors on a vraiment. Alors Ines Ward, j'aime pas du tout la carte. Je kiffe ce receveur, mais je trouve la carte vraiment pas assez forte. Euh, même si elle coûte pas très cher au final, donc ça va. Euh, on a Irvine euh, qui est ultra lourd aussi. Après, ça ferait trop plaisir à, à Aria Pendant un moment, j'ai voulu l'acheter. Je me suis dit, ça ferait trop pla plaisir à Aria Et je veux pas lui faire ce plaisir. <laughs> J'espère qu'il regardera la vidéo. Euh, sinon, on a Julio Jones. Donc, en fait, voilà, moi je trouve qu'il est pas assez rapide. Et euh, il, il manque de. Peut-être de. Ah non mais il a que 96 en release en fait. Il manque de release aussi je trouve. Bon, bon 96 c'est bien déjà mais je trouve qu'il en manque aussi. Et je trouve qu'il manque, il manque de catching traffic. Quoique. Ouais je leur ai mis 95 ou 96. Et euh, du, en fait le speed surtout. Où le Jones c'est connu pour être un, un des receveurs les plus rapides quand même de la NFL. Au 46 je sais plus combien il avait fait à sa saison rookie. Je sais pas s'il avait pas fait 4... 4, 30, 4 30 quelque chose. C'est un des plus rapides de sa draft. Euh, bon, on a Odell Beckham, 99. Mais je pourrais l'acheter, je pense, au bout d'un moment si je veux, si j'économise assez. Mais j'ai vraiment la flemme. Et on a euh, Jerry Rice. Alors, ça, c'est la carte à avoir. Mais euh, voilà, très très cher. Il y a combien pour l'instant 1,2 million. Voilà, au calme. Au calme. Euh, alors, il y avait au niveau des corners aussi. Il y avait des cartes qui m'intéressaient. Qu'on a derrière le révis je suis pas très intéressé. On a Night Train Lane pour moins d'un million maintenant. Qui est vraiment un joueur que je kiffe, que je surkiffe. Euh, carte légende. Euh, 95 en speed. Euh, zone coverage 99. Catching 89. Et ce qui est très intéressant en fait, c'est d'aller dans ces stats supplémentaires et de descendre déjà au niveau du tackling. Un receveur basique, regardez à droite. Il a 64, 76 de tackling. Lui, c'est connu pour être un gros plaqueur comme corner. Il a, il a 91 en tackling. Il a 96 en jumping. Donc voilà, il défend très bien. Je pense qu'il sera très bon sur les 1 contre 1 dans le deep. Et surtout, 99 en hit power. Putain, je pensais que c'était moins. 99 en hit power pour un corner. Donc voilà, sur les courses extérieures, vous pouvez faire des fumbles au running back avec un corner. C'est juste magnifique. Et derrière on a encore Rod Woodson. Et pour moi, voilà, je kifferais vraiment. Mais euh, je pense pas que je pourrais me l'acheter un jour. Dianne <laughs> Sanders sans man coverage. 98 en zone. Donc euh, voilà. Je kifferais vraiment mes 3 millions. Oh C'est cher. Euh... <coughs> Sinon. <coughs> <coughs> Attendez. Ah. Sa mère. Alors, il y avait aussi, bon, Tony Gonzalez. 1 million. J'économiserai bien pour le prendre. Voilà <laughs> Voilà voilà Alors bon, il est nul en run block. Après bon, je l'utiliserai pas pour euh, bloquer bien sûr. Mais euh, regardez-moi ces, ces stats de ouf, 94 en release, 99 en, en route running, 88 en speed, c'est vraiment le meilleur titan du jeu pour le, pour le moment en ultimate team. Et euh, voilà. Je crois que j'avais un autre à acheter. Ah si euh, euh, Minjo Green. À la rigueur. Ouais, qui a des stats vraiment pas trop dégueux. Mais qui coûte un peu cher pour l'instant. Je vais attendre qu'ils qu descendent dans les 300 000, je pense. Donc voici pour les pour les joueurs que j'ai en, en vision pour le moment. Euh, après, j'en ai pas forcément besoin euh, tout de suite. Donc, euh, on attendra un peu. Attendez, j'ai 350 points. Et ça coûte que 99, le pack Allez, on se fait une petite ouverture de pack. Ah, ah, ah. Ah. Ah, c'est de la merde. Ah, c'est de la grosse merde. Le pire pack du monde. Ok. Putain, j'ai que des joueurs à 75, quoi. Et même 72, putain. Bon, je vais la revendre vite fait. Bon, bah les gens, c'était Alex Vic. Euh, J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si on n'a pas fait... Des gros matchs malheureusement parce que les adversaires ont des courage. Euh, mais je pense que voilà, au moment où vous regarderez cette vidéo, je pense le lendemain ou, ou deux jours après, je ressortirai très rapidement une vidéo. Euh, je pense que je vais tourner la suite bah, juste maintenant. Donc euh, à très bientôt pour la suite, prochain, prochain épisode de cet Ultimate Team. Ciao tout le monde, bye Willie Mo always ready. Yeah. 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 Yeah. Mo City man.